الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى كل رسول أرسله ننوي لله تعالى بحضور هذا المجلس لو أن شاء الله سنيغض مونت Que Allah honore et élève davantage en degré le grade de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. Nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère pour assister à ce cours. Ama ta'ala fil Quran il karim, watazawadu. Allah Ta'ala dit dans le Coran dont nous comprenons la signification de ce verset prenez des provisions dont la meilleure des provisions c'est la piété la patience fait partie de la piété al sabru min jumla jibat al-diniya, la patience aussi parmi les obligations dont la religion. al sabru min jumla al-kolbiya, la patience aussi fait partie des obligations du cœur. F'al-Muslim al al muhtasib الذي ينقاد لأوامر لأوامر الله عز وجل ويغلب نفسه ويلزمها بطاعه الله ويصبر على ما ابتلاه الله يكون يكون من الفائزين في الاخره دونك المسلم الذي Celui qui suit les ordres de Allah Ta'ala, celui qui va vaincre son, son ego, celui qui fait les obligations et il évite les choses interdites, et il patiente face aux épreuves. Il sera parmi les gagnants le jour dernier. Yaqun minas il sera parmi les heureux ceux qui seront tranquilles le jour dernier. avec la patience il peut vaincre son ego et il, il obéit à son Seigneur. ففاز وربح ونال السعادة السعادة المقصودة هنا هي السعادة الأخروية السعادة الأبدية et donc il aura gagné la félicité لأن الدنيا وما فيها للزوال Car le bas monde et ce qui contient ce bas monde va vers sa fin. Et donc, le bas monde et ce qui contient ce bas monde va vers sa fin. Et le bas monde n'est pas comme le delà. Le delà, c'est. La vie éternelle, ce bas monde va vers sa fin. daim Donc la félicité éternelle c'est la félicité qui n'aura pas une fin. la al Donc la félicité qui ne s'arrête pas c'est la félicité au paradis. C'est la félicité au paradis. « ala ila Au paradis, donc la félicité, il n'y aura pas de fin. Jusqu'à l'enfin, il n'y aura pas de fin au paradis. C'est-à-dire la félicité ne s'arrêtera pas au paradis. « Fal zaki L'intelligent, c'est lui qui choisit ce qui est éternel ou ce qui est éphémère. Bien sûr, l'intelligent, c'est lui qui va choisir ce qui va durer, durer jusqu'à la non-fin. Il ne va pas choisir le bas monde.

al fawz houa al-fawz bel akhira Et donc la félicité c'est au paradis. Le plaisir c'est au paradis. La réussite c'est celui qui réussit au paradis. Madha anhu Rabbuna quran al-Karim wal-akhira tu khayrun wa abqa. Allah Ta'ala a dit dans le Quran, dont nous comprenons la signification de ce verset que le delà est meilleur et c'est ça qui reste dans le sens c'est ça qui reste Al afdal wa Donc le delà c'est meilleur et c'est ça qui va rester éternel. Donc le paradis, bien sûr, est meilleur que ce bas monde. Le paradis reste éternellement, mais le bas monde, comme on a dit, va vers sa fin. يعني إلى ما لا نهاية donc jusqu'à le non fin que ce soit au paradis ou l'enfer les deux n'auront pas de fin les deux n'auront pas de fin وقال الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى هذا قرآن والقرآن يبين لنا القرآن يخبرنا Et donc Allah Ta'ala a dit dans le Coran, dont nous comprenons la signification de ce verset, que le delà est meilleur que ce bas-monde. Ça c'est, le Coran nous montre, le Coran nous explique que le delà est meilleur que ce bas-monde. <t> « Fa huwa alladhi ma yabqa an <'en -t> na'im <-en> fil L'intelligence c'est lui qui choisit. Alors, il va choisir l'au-delà, la félicité éternelle. Il va pas courir derrière ce bas monde et le plaisir de ce bas monde qui vont vers la fin, vers leur fin. Faïdan, al-sabru min al donc la patience parmi les obligations du cœur. L'intelligent, s'il patiente, il va gagner. Wa Donc s'il si patiente, il va avoir la félicité éternelle. Amma ويختار المعاصي والعياذ بالله يختار الفساد والمنكرات وترك الواجبات ومنهم والعياذ بالله من يختار الكفر هؤلاء والعياذ بالله أهلكوا أنفسهم الذي يموت على الكفر هذا يكون مخلدا في نار جهنم أجارنا الله منها إذنك Celui qui délaisse la patience et il choisit de tomber dans le péché, il, il emprunte le chemin du péché, il délaisse les obligations. Certains parmi ces gens, ils vont jusqu'à la mécréance. Donc ces gens-là, ils ont tout perdu. Comme vous savez, c'est lui qui meurt. En étant mécréant, donc il a tout perdu. C'est-à-dire éternellement en enfer. Alladhina akhtaru al-kufr khasiru dunya wal-akhirah. Celui qui choisit la mécréance, il a perdu le bas-monde ainsi que l'au-delà. Alladhina akhtaru al-kufr khasiru anfusahum. Celui qui a choisi la mécréance, il va vers sa perte, vraiment il a tout perdu il a tout perdu dans ce bas monde même dans le delà Etan man huwa al-aqil al-zakiy al-fatin? Man yathbut 'ala al-iman? Man yu'min billah? Man yabqa 'ala al-islam? Man yafuz bil-jannah haythu sa'ada al-abadia. Donc qui est le l'intelligent? Donc l'intelligent c'est lui qui se maintient sur l'islam. celui qui croit en Allah et en son messager, celui celui là il va gagner le paradis là où إن يا إخواني ويا أخواتي أن المسلم كلما عظمت عليه الأمور والمصائب والشدائد والبلايا وتداعت عليه المحن écoutez bien. mes frères, mes soeurs, le musulman, s'il a beaucoup des épreuves, si les épreuves sont, se sont tombées sur lui, si les maladies, la pauvreté, alors il a patienté face à ces choses-là. C'est lui qui va gagner. Tellement les épreuves tombent sur toi et tu fais preuve de patience, tellement tu seras parmi les gagnants. Parce que la personne, le musulman, s'il patiente face aux épreuves, son degré, il va être élevé. حتى لو أن المسلم ضرب وعذب وسجن وسب ولو قتل ولو قتل وهو صابر يكون من الفائزين هو يكون الرابح donc le musulman même si il a touché par la pauvreté même si il était frappé il a subi une injustice Même s'il était au prison injustement, même s'il s'est fait insulter ou même tué, et il a patienté face aux épreuves, il sera parmi les gagnants le jour dernier. Al-wahidu minna kam yufakir annahu sayayish. Combien la personne il pense, il imagine qu'il va vivre dans ce bas monde. Al nihaya hiya al يعني كل واحد منا نهايته الموت chacun parmi nous donc il va pas rester éternellement dans ce bas monde donc il va certainement mourir certes chacun parmi nous touchera la mort goûtera la mort الى كم سنبقى في هذه الدنيا نهايتنا الموت اما النعيم في الجنه الى غير نهايه يا سلام يعني شق Par contre, la félicité éternelle, ce n'est pas dans ce bas monde. La félicité éternelle, c'est au paradis. Si chacun réfléchit bien, il dit combien je vais vivre dans ce bas monde. Donc, vraiment, même si je reste, je ne sais pas combien d'années, la fin, c'est-à-dire, il va mourir. Mais la félicité éternelle, c'est au paradis jusqu'à Et Alors en comparaison, les jours qu'on passe dans ce bas monde, les années qu'on reste dans ce bas monde, par rapport au l'enfant, c'est rien. C'est rien du tout. مهما طالت هذه الأيام في الدنيا فهي كلا شيء بالنسبة للنعيم الأبدي ممسي لا بيخصون ويف تري لونتون تري لونتون مي با رابور ألو با رابور سي كوم ريان دي تو أيام الدنيا قليلة قليلة ولو كثرت ولو كثرت فهي قليلة ومهما طالت فهي قليلة بالنسبة للآخرة Donc les jours du bas monde, même si la personne va vivre très longtemps, c'est vraiment peu par rapport à l'au-delà. Si tu restes, tu vas vivre, admettons, 100 années, même 1000 ans, même plus que 1000 ans. بالنسبة الى السعاده الا eternelle بمقارنه الى الجنه سي كوا سي شيء دي توه باسكو بارادي يورا با دو الذكي الفطن يختار ذاك النعيم المقيم مهما تحمل من المصائب والمشقات والامراض في الدنيا Donc l'intelligent, c'est lui qui choisit l'au-delà au détriment de ce bas-monde. Même s'il va supporter les douleurs, même s'il supporte les injustices, même s'il supporte les maladies, même s'il supporte la pauvreté, mais vous savez que ce bas-monde passe comme de rien. C'est-à-dire on dirait des secondes qui se sont écoulées. Al de de L'enfant, le petit, le bébé, il grandit, il devient adulte, il se marie, il va vieillir et il meurt. On dirait quelques secondes.

20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si, si chacun se pose la question, comment se sont déroulées ces années? Chacun va dire vraiment comme de rien. Si chacun il fait le bilan, c'est comme de rien. Si j'ai 50 ans, je dis, comment j'ai fait avec ces 50 ans? C'est vraiment, se sont écoulés comme de rien. C'est-à-dire avec une grande vitesse. <mère> إذا كان هذا العمر عشرين ثلاثين أربعين أو خمسين أو ما فوق كأنه لحظات فماذا يكون الإنسان لو عاش إلى مئة سنة أو أكثر بالنسبة للخلود الأبدي في الجنة إلى غير نهاية يعني العاقل الزكي الفطن هو الذي يختار الجنة لأنها إلى ما لا نهاية Donc, si chacun parmi nous il réfléchit, s'il a 20 ans, il a 30 ans, il a 40 ans, donc se sont écoulés comme de rien. Même s'il a vécu jusqu'à 1000 ans ou 2000 ans, certaines personnes ont vécu 2000 ans, mais vraiment par rapport à l'au-delà, c'est comme de rien. Donc l'intelligent, il va délaisser ce bas monde et il va travailler pour l'au-delà, pour avoir la félicité éternelle pour avoir le paradis. Nous, nihayet fin est la mort. Mais là-bas, il n'y a pas de mort. Donc nous, nous on va mourir un jour. Mais là-bas, il y aura pas la mort. Que ça soit paradis ou l'enfer, donc il y aura pas la mort. Comme il n'y a pas de mort dans le jardin, كذلك لا موت kuffar fi jahannam. يعذبون فيها الى ابد الاباد يعني بعد مئات المليارات من السنين لا يموتون في جهنم اجارنا الله منها يعني لو كل شخص تفكر في هذا مليارات من السنين ولا يموت الشخص لا في جهنم ولا في الجنه إذنك. Comme au paradis, il n'y aura pas la mort, en enfer non plus, il n'y aura pas la mort. Alors vous imaginez quelqu'un qui n'est pas musulman et il est en enfer, même s'il va rester des milliards, des milliards des années, ne sortira jamais. Il ne sortira jamais de l'enfer. Comme c'est l'éternité aux gens, aux non-musulmans, en enfer, c'est aussi l'éternité aux habitants du paradis. نسال الله السلامه نسال الله السلامه ندمان الله تعالى لا جهد هنا في الدنيا لا يطيقون لا يطيقون الحر لا يطيقون الفقر لا يطيقون الامراض لا يطيقون الاحوال الاقتصاديه وما شابه فما بالنا في جهنم الكافر ماذا يفعل في جهنم Dans ce bas monde, certaines personnes ne supportent pas la chaleur. Quand il fait très chaud, on ne supporte pas la chaleur. Certains ventilateurs ou la clim, on ne supporte pas la chaleur. Certains ne supportent pas la pauvreté. Certains ne supportent pas la maladie. Ou économiquement, si ça va dur économiquement, donc certains ne supportent pas. Alors que dit-on en enfer? (اسكو لا بيرسون) va dire en الله تعالى la sauvegarde. أليس الله تعالى يقول في القرآن الكريم: "ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون". ماذا تكون المصائب والأمراض والهموم والبلايا والفقر والمجاعة بالنسبة للحظة واحدة؟ لحظة عذاب واحدة في جهنم كل بلاء الدنيا وكل عذاب الدنيا كل الأمراض والفقر لا يساوي لحظة واحدة في جهنم نسأل الله السلامة طول ملدي طول زبخوف la pauvreté, la famine ne vaut pas un instant que la personne la passe en enfer Tellement c'est إذن إذا العاقل الزكي يختار النعيم الأبدي الذي لا يزول. دونك لانتليجون سي لوي كي شويزي لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذا العاقل يصبر.

Nous a dégâches, vous vous nous 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 Donc, nous ne sommes pas au paradis. Actuellement, nous ne sommes pas au paradis. Il ne faut pas que la personne s'attende ou s'imagine qu'il va vivre des félicités, du plaisir tout le temps. Alors le plaisir du bas monde s'interrompt, soit par la maladie. Le plaisir du bas monde s'interrompt, soit par la mort. Le plaisir du bas monde s'interrompt par les problèmes ou autres. Mais le plaisir du bas monde ne reste pas éternellement. Rappelez-vous souvent que vous êtes dans ce bas monde. Nous ne sommes pas au paradis. Alors il ne faut pas espérer le plaisir qui ne s'arrête pas. بلا انقطاع هذه الدنيا للزوال ولذاتها للزوال. Ce bas monde va vers sa fin. Le plaisir du bas monde vont aussi va vers leur fin. هذه الدنيا مزرعه للاخره. في هذه الدنيا تعمل للاخره. Dans ce bas monde, c'est là on va labourer. C'est là on va semer. C'est dans ce bas monde on travaille. Dans le delà il n'y a pas le travail. Dans le delà il n'y a pas le travail. donc le Donc le musulman dans ce bas monde, il est éprouvé. Il sera touché par les maladies. On est dans la demeure des épreuves. On est dans la demeure de la tristesse. Nous sommes دار البلاء. في دار الاحزان الذي نسي هذا الامر فليستيقظ celui qui a oublié cela il se réveille qu'il se réveille الذي نسي انه في دار البلاء ليستيقظ من غفلته celui qui a oublié qu'il est dans la demeure des épreuves alors il se réveille parce qu'il est dans l'insouciance في هذه الدنيا يفترق فيها الأحبة dans ce bas monde ceux qui s'aiment se séparent soit par les problèmes soit par la mort فلنعتبر que chacun parmi nous tire une leçon من عجيب أمر الدنيا أن الإنسان يفكر ويتأمل ويعمل في هذه الدنيا ويجمع المال كي يشتري ce qui est étonnant dans ce bas monde que les personnes il travaillent et il espère et il fait des projets pour acheter une maison par exemple ça se peut que il ne pourra pas rentrer dans sa maison c'est à dire il a travaillé travaillé dur dans sa vie il a construit sa maison et avant d'entrer dans la maison, il est mort. Il n'a même pas pu profiter de sa maison. Min ajibi, amri hadi dunya an al-abaa yatamannun an yaraa ahfadahum wa fi ba'd al-ahyan yamut al-walad qabl al-walid aw al -walid. aks yamut al-hafid c'est très étonnant l'état de ce bas-monde. L'état de ce bas-monde, c'est vraiment quelque chose qui est étonnant. Les parents souhaitent et espèrent de voir leurs petits enfants grandir. Et des fois, le grand-père, lui-même, il va enterrer son petit-fils parce qu'il est mort. Il va le prendre au cimetière et il va l'enterrer. C'est douloureux, mais c'est le bas monde. Ça, c'est le bas monde. Et des fois, c'est le contraire. Les enfants vont enterrer leurs parents. Ils vont le ramener dans le cimetière. Pourtant, ils s'aimaient dans ce bas monde. Mais, la mort ne nous sépare. Alors la personne, lui-même, avec ses mains, il va enterrer ceux qui aiment. C'est ça qui est étonnant dans ce bas monde. Subhanallah. C'est très étonnant ce bas monde. Il, a il faut, il faut qu'on se réveille avant que ça soit trop tard. يقول هافاي كي نكون من الرابحين بوخون سواغمي أما إذا بقي الواحد في غفلة إلى أن مات وكان مضيعا للواجبات تاركا للفرائض منغمسا في المحرمات أو كان واقعا في الكفر والعياذ بالله ومات يكون خسر خسرانا عظيما Par contre, si quelqu'un il est dans l'insouciance jusqu'à la mort, et il faisait partie de ceux qui ne font pas la prière, ou qui délaissent les obligations, ou qui tombent dans les péchés, il boit de l'alcool ou autre, ou même certains, ils tombent dans la mécréance, et s'il meurt sur cet état, il est dans une grande perdition il est dans une grande perdition. « Lidhalik an tabihu antum fid dunya »« Ma ma'ana anta fid dunya »« Ya'ani mu'arrad lil maout »« Mu'arrad lil bala »« Mu'arrad lil faqr wal ju' »« Au li faqdi man tuhib »« Hada halud dunya » Donc, faites très attention et rappelez-vous souvent que vous êtes dans ce bas-monde. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes dans ce bas-monde ça veut dire qu'on va mourir. Ça veut dire qu'on va subir des épreuves. On va subir la pauvreté, la maladie ou le fait de perdre un être qui est cher. Ça, c'est l'état de la vie. Quan min nabiyyeen kutila? Combien de prophètes? Combien de prophètes se sont tués? Quan min anbiya illahi kutilu? Quan min anbiya illah sujino wa'uxraj min diyarhim. Combien de prophètes ils ont subi d'injustice, ils ont été aux prison, même ils ont été sortis de leur maison. Combien de saints ils se font taper, subir une injustice ou même tuer? ما سلا ايزون باسيونتي فاس اوزي ثبتوا على الحق اليس الرسول عليه الصلاة والسلام اخبرنا انه كان يؤتى بالمسلم يعني هذا فيما مضى من الامم السابقة فيوضع المنشار في مفرق رأسه على ان يترك الاسلام وما كان ليفعل Le prophète alayhi salatu wasalam, nous a raconté dans les communautés antérieures, les musulmans, ils se faisaient scier par une scie, c'est-à-dire on mettait la scie vers la tête et on coupait la tête avec une scie. Certains, ils se faisaient couper en deux parties. Malgré cela, ils patientaient face aux épreuves. هل يتخيل واحد منا هذا المنظر المؤلم الشخص ينشر بالمنشار وهو ثابت لا يتزحزح كالجبال لا يتخلى عن الاسلام est-ce que vous pouvez imaginer cela le fait de voir quelqu'un il se fait scier par une scie et lui il se maintient comme une montagne et il ne délaisse pas l'islam il patiente فاس بعض الناس لو خسر في التجاره يكفر او لو مات قريبه يعترض على الله والعياذ بالله بعضهم لاجل الكره يكفر لماذا لان الفريق الذي يشجعه خسر سبحان الله اين نحن من هؤلاء سيخدم بيرسون سي Il fracasse sa voiture, il sort de l'islam. Il me croit en Allah parce qu'il a cassé sa voiture. Ou d'autres, s'il perd dans le commerce, il se révolte contre la volonté de Allah. Ou si un de ses proches meurt, il insulte Azraïl alayhi salam, il sort de l'islam. Ou d'autres, à cause d'un ballon de foot parce que leur équipe est perdue, alors... Il se révolte contre la volonté de Allah et il sort de l'islam où nous sommes par rapport à ces gens-là ceux qui patientent ceux qui étaient durs comme les montagnes ils n'ont pas délaissé l'islam ils ont patienté face aux épreuves la personne doit méditer doit réfléchir à ces gens-là <médicule>

donc, tellement ils étaient forts, même s'ils se faisaient scier par une scie, lui, devant lui, il voit le paradis. Alors il se dit même si je meurs, bah, j'aurai gagné le paradis. Je vais gagner le paradis. Alors il ne délaisse pas l'islam. Ils étaient ainsi forts. Ils persévéraient sur l'islam. Ils ont patienté jusqu'à la mort. la patience parmi les caractéristiques des prophètes. la patience c'est le chemin du paradis. wa khair la patience est une lumière. La patience est une bien et une bénédiction. C'est un bien et c'est une bénédiction. La patience fait partie des obligations du cœur. Wa C'est qui délaisse la patience. Il a perdu. Il a loupé un grand bien. قصة écoutez l'histoire de la coiffeuse de la fille de pharaon elle est très connue cette histoire mais on peut tirer beaucoup de leçons de cette histoire tellement elle a subi tellement elle a supporté les douleurs la souffrance de voir ses enfants mourir un après l'autre. Ils ont tué ses enfants un après l'autre. Elle a patienté. Elle n'a pas bougé. L'âme raja, elle est restée sur l'islam. هذا فرعون الظالم الذي كان يقول للناس والعياذ بالله أنا ربكم الأعلى وقال لهم لا رب لكم سواي فهون il était injuste il disait aux gens والعياذ بالله qu'il était leur seigneur le suprême il disait à eux vous avez pas un autre seigneur que moi امرأة امرأة مسلمة تقية صالحة حطمت رأسه بقوة يقينها بثباتها بحبها لله بحبها للإسلام بحبها لنبي الله موسى عليه السلام ثبتت وصبرت إن فام إن فام مسلمان بيوز vertueuse, elle a fracassé la tête de Pharaon, tellement elle avait la certitude, tellement elle a persévéré sur l'islam, tellement elle avait l'amour pour Allah, elle avait l'amour pour l'islam, elle avait l'amour pour le prophète Moïse, elle a patienté, elle a persévéré sur l'islam. في القدر على النار الى ام نس ازنفون علف دي انفون il a préparé dans un grand récipient de l'eau وقال بعض علماء السير والتفسير قال بعضهم, بعضهم قال اضاف الى الماء الزيت يعني ليصير اقوى Certains de historiens des exégètes, ils ont dit il a rajouté sur l'eau de l'huile pour que ça devienne encore plus fort. L'eau, elle a commencé d'ébouillir elle est arrivée à l'état d'ébullition très fort. أحضر أولادها وبدأ بالكبير فقال لها ارجعي يريدها يريدها أن تخرج من الإسلام يهددها فقالت لا أرجع ربي وربك الله دونك il amini سونفيس son fils et il ya dit reviens dire il veut délaisse الإسلام، Alors elle a dit non, je ne sors pas de l'islam. Elle a dit mon seigneur et ton seigneur c'est Allah. تخيلوا هذا المنظر فألقى ولدها فألقى ولدها سبحان الله من شدة غليان الماء فانفصل اللحم عن العظم تلمو لو اتفقت Donc, il a jeté son enfant, la chair s'est séparée à l'os. Imaginez cela. Quelqu'un, il perd son enfant et elle, a, elle a patienté, subhanallah. Fakala laha, achdara athani. <midi> ahdara athani. Fakala laha, urgiyi. Fa et donc il a amené son deuxième enfant et il lui a répété la même chose. sort de l'islam, quitte l'islam, elle a refusé. Elle a dit mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. Alors il a jeté son deuxième enfant. الي فيسا ديفونسيوس للشيخ سوسيباه فجاء دور الطفل الرضيع ابن أيام قبل أن يلقى بالماء الله تعالي أنطق هذا الطفل كرامة لهذه المرأة الصالحة الصالحة التقية قال لها يا أماه اصبري ولا تتقاعصي فإنك على الحق إن عذاب الدنيا أهون عند الله من عذاب الآخرة. الله تعالى أيدها بهذه الكرامة معجزة لسيدنا موسى عليه السلام. Et donc, c'était le tour de son fils. Il était nourrisson. Avant de le jeter dans l'eau, Allah a fait parler ce nourrisson. C'est un prodige pour cette femme vertueuse, pour cette femme pieuse. Il a dit, ô oh, mère, patiente, tu es sur la vérité. Le châtiment de ce bas monde par rapport à l'au-delà, c'est rien. Le châtiment de l'au-delà, c'est plus fort. Allah Ta'ala lui a accordé un prodige. Et pour le prophète Moïse, c'est un miracle. Donc, elle a patienté, elle a persévéré sur l'islam. Elle n'est pas sortie de l'islam. Et par la suite, il a jeté son enfant, son nourrisson, dans le feu, dans l'eau. Et par la suite, donc, la chair s'est séparée à de l'os. Par la suite, il lui a dit, سوغ الاسلام الإسلام ستادير كيت لإسلام. إلى ربتي لا ميم شوز، مون الله. وقبل أن تلقي بالنار المغلى، قبل أن تلقى بالنار المغلي المغلى، قالت له: يا فرعون عندي لك طلب. يعني طلبت منه أن يجمع عظامها، أن تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. قال لها: لكِ ذاك، لما لك علينا من حق الخدمة. Et donc, avant qu'il la jette dans le feu, dans l'eau, elle a demandé, elle a dit j'ai un, une demande, un souhait pour toi. Tu ramasses Mes eaux et ceux de mes enfants Et tu les mets dans une tombe Alors il a dit Tu auras ça C'est à dire il a accepté Pharaon Parce que Quand même elle a travaillé chez lui Alors il a accepté cela Donc il l'a jeté dans l'eau الي موه مختيغ آل اسي إس رحمهم الله كي الله سوا كليمون ان فيغ من ذاك الزمان من زمن فرعون الوليد بن مصعب الذي كان ايام موسى عليه السلام الى ليله الاسراء والمعراج شم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تلك الرائحة الطيبة الزكية العطرة تخرج من قبر ماشطة وكأنها تحييه وتقول له أنا على دينك دين الإسلام يا رسول الله Depuis l'époque de Farhan, Pharaon, c'est, il s'appelait Al-Walid, fils de Mus'ab, qui était à l'époque du prophète Moïse, alayhi salam. Depuis cette époque, jusqu'à l'époque où le prophète, alayhi wasalam, il a fait le voyage nocturne. Là où il a senti l'odeur qui dégageait de sa tombe. Le prophète Muhammad, alayhi wasalam, il a senti cette odeur. L'odeur bonne qui dégage de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. C'est comme elle était en train de dire au prophète que je suis sur ta religion, l'islam, ô prophète de Allah. Alors, c'est avec la patience, la personne, avec l'islam, avec la patience, la personne réussit et il aura la félicité. بالاسلام بالصبر يدخل الشخص الجنه ويفوز بالسعاده الابديه بارك الله فيكم واحسن الله اليكم نهلل ونصلي على الرسول